La bataille de Yildirim était 221 après Jésus-Christ. Bien sûr. Oh non, de l'eau. Je compte sur toi. Oh. Lugzu. Ouais. L'attaque est imminente. Oh, me dis pas. Ne me dis pas, ne me dis pas, me dis pas. Oh non, me dis pas. Me dis pas. Me dis... Oui. Je vais pouvoir marave la gueule de Zuyu. Oh oui. Oh le plaisir. Attends, parce qu'en plus... Attends, la flèche verte, c'est moi. La flèche verte, c'est moi. Ah non. Non, Liu Bei, c'est pas moi, Liu. Je suis qui, déjà? C'est moi. Je démarre en face de lui. Oh ouais. Bon, attends, l'histoire. À Changban, Liu Bei échappe de justesse à la mort. Ok. Il joint ses forces à celles de San Quan, ouais, et réussit à mettre à mal la poursuite de Cao Cao. C'est vrai. En même temps, il reprend le contrôle de Jing. La bataille de Chi Bi entre dans l'histoire. C'est bien pour elle. Depuis sa base à Jing, Liu Bei se dirige vers le royaume de Shu. Liu Bei, c'est mon chef, hein. Avec cette victoire, il peut commencer à former le triangle divin de Zhuge Liang. Zhuge Liang. Sun s'inquiète du pouvoir grandissant de Bei. Ouais. Il s'allie à Bei et ensemble, oh là là, ils prennent le contrôle de Jing. Oh là là. Furieux, Bei crie vengeance. Oh là là. Oh là là, je comprends que dalle. En 221, cela fait un an que l'armée de Bei assiège le château de Yilin. Les troupes sont épuisées. Et si las qu'elle ne remarque pas tout de suite la contre-attaque de Wu. Ok, alors les Wu, le Wu Teng Leng, je crois que c'est moi. Non, mais c'est moi, j'ai compris. Le Wu Teng Leng, il me semble que c'est moi. La défaite de Sun Quan, la défaite de Liu Bei, ça c'est la bonne. Ok, donc ça c'est bel et bien ce que je disais. Liu Bei, c'est mon chef. Qui est là. Ma ciao. Ok. Moi j'ai 4 mecs, j'ai 4 officiers, depuis quand, je sais pas. En tout cas c'est classe. Et les ennemis, donc quel est notre ennemi principal? C'est Sun Quan, donc là on va taper la tribu des rouges. Hein? Non, bah, me demandez pas le nom des gens, bah, tout ce que le seul nom que je connais c'est celui-là. Et je sais que je vais le démonter. Parce que franchement, l'arnaque moldave, enfin chinoise. L'arnaque chinoise qu'on s'est tapé pendant plus de 6 ou 7 semaines, je m'en rappelle plus. Hein? Il est temps de réclamer vengeance sur ce Zuyu de merde qui était nul. J'ai quatre gardes, mais c'est eux en fait, c'est mes gardes. Bon, allez, fais péter. Alors bien sûr, je ne sais plus du tout comment on joue. Comme d'habitude, un début de bataille, ce sera toujours la misère. Oh non, il y a de la flotte. Ça va être encore super casse-couille. Yeah, un ange cheval. Pourquoi je suis direct dans la mêlée, moi? Ouais, j'ai besoin de zoomer. D'accord, il y a des ennemis. Oh, Ling Tong. Ling Tong. Il y en a, Ling Tong. Oh, merde. Allô, debout. Qu'est-ce qui se passe? Lu Meng, général du régiment. Ok, c'est bien. C'est bien, bonsoir. Wow, Ling Tong. Mais tombez de votre cheval, vous êtes voilà. Non mais viens là. Voilà, s'il te plaît. Oh, par contre, faut se calmer. Ah, attends, parce que comment je zoome déjà? Voilà, je veux comme ça. Où sont les ennemis? Ici. Je comprends rien. Tout va bien. Mais la visée est inversée. Oh, ça merde. Non, en fait, je peux... Comment je tourne ça? Oh là là, c'est la misère. Bon, allez, vas-y. Voilà, déjà, une belle entrée en marche. Comment on fait déjà la toupie? Ah, comme ceci, mais j'ai pas eu le temps de la lancer. Voilà, il a mangé. Il a mangé sec. Oh merde, on se fait rafaler de flèches. Et ça, c'est pas plaisant, parce que les flèches, ça va toujours me toucher alors que je suis à 100 km, tu vois. Allez hop, brise garde. Et la flèche, bien sûr. Flèche dans ma gueule. Alors ça s'en sort bien, mais au niveau de la vie, c'est vrai que c'est pas ça. Ouais, ah, les archers sont casse-couilles. Merde, raté. Il se passe quoi?
Oui. Quoi? Oula, tu vas pas me dire qu'ils font de la magie maintenant? Allez, bonne nuit. Longue vie à vous. Eh ben, ah d'accord, les Wu c'est pas nous. C'est pas nous le Wu Tang Clan, merde. Dommage, j'aurais bien aimé. Attends, il a dû lâcher quelque chose. Putain de flèche. Il a rien à... Ah si. Un défense haut plus 4, c'est bon ça. Alors par contre, il y avait un autre gars, non? Ah oui, attendez. C'est vrai que, voilà, j'avais pas mis les barres de vie. C'était une erreur. Il est où le chef, là? Il y avait un chef? Non, il y avait pas un chef? Attendez, mais foutez pas de ma gueule, j'en ai tué deux au début. Pourquoi je peux pas bouger la caméra? Il est où l'autre chef? Voilà, bon, ménage, mais attendez, il y avait deux chefs. Et surtout, bon, j'ai besoin de vie, moi. Oh là là, les flèches, par contre, ça me fait chier, ça. Ouh, attends. Oh, oh, oh. Un plaisir. Alors, bon, carte. Ennemi. Donc, déjà, sur la carte, il y avait un ennemi dans notre dos, au début. Qui, apparemment, s'est fait rétam. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ouais, bon, alors, vous, après, hein. Prends ton cheval. Ah, alors que nos alliés se font démonter, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai un compte à régler d'abord. Ah, d'accord, ça monte dans ce sens-là. En fait, il faut descendre. J'avais mal compris la carte. Allez, hop, barrez-vous. Petit ménage. Ah, ah, ah. Ah, ah. Viens ici. Viens. Tu cherches à me défier? Ouh, que oui. Ouh là là, où tu m'as gavé, toi. Des heures et des heures de jeu pour que dalle à cause de ta gueule. Tu mérites. Oh, c'est qu'il se rebelle, dis donc. Oh là là, ce qu'il m'a mis. Tu vas voir ce que ça va être encore, ces conneries de... Tiens, quoi. Ces conneries de un mec, quand tu joues avec, bah, il est nul à chier. Par contre, dès qu'il joue contre toi, attention, c'est le champion du monde. Ah, il claque son moussou, quoi. C'est derrière moi qui joue. Oh putain, et t'as pas de chat parce que elle est de mon côté. La vie qui pop juste à côté là. Allez, on est que tous les deux. Fais-moi rêver. Putain, oh, le moussou. Fais-moi rêver, on est que tous les deux. Bim, sur ta gueule. Oh non. Bon allez, cassage de brisage de garde. Suivi d'un autre brisage de garde. Suivi d'un cassage de tête. Oh non, il a contré immédiatement. C'est marrant parce que je suis censé avoir des gardes du corps. Pareil. Ah, fait chier, je le ramène vers la mêlée. Oh, il s'est dévié lui-même. Alors, vous les rapaces, vous avisez pas de me piquer mon fil. Hein, parce que c'est à moi. Alors, Zouyou, si quelqu'un me vole, je peux te garantir que je recommence dans l'immédiateté. Mais casse-toi. Casse-toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais vas-y, il faut qu'il vienne me casser les couilles, celui-là. Putain, je vais crever. Zouyou va me buter. Alors ça, c'est un affront que je ne saurais tolérer. Allez, bonne nuit. Je suis mort. Pourquoi le ciel l'a-t-il envoyé? Pour me venger. Oh, je suis pas mort, c'est inespéré. Il y avait de la vie par terre, je l'ai ramassé. Ok, c'est inespéré ce qui s'est passé. Bon, j'y étais un petit peu comme un bourrin. Tu vas où, toi? Faut que je récupère de la vie à un pot. Eh oui, un pot. Oh là là. Oh, je suis viscère dans cette partie. Elle est excellente. Allez, vas-y, fais péter. Je sauvegarde, bien sûr. J'ai claqué Zouyou, je pense que c'est bon. On est bon. Putain, oh le plaisir, je lui ai fumé sa gueule. Alors, maintenant, parce que j'ai remarqué qu'au milieu, c'est-à-dire qu'ici, là, ça, apparemment c'est la merde, hein, ils en chient. Moi de mon côté, bah, j'ai fait le tour. Ah non, il y a une petite porte à aller prendre, je vais aller prendre la porte d'abord et après on verra. Où est cette porte? Elle est juste là. Entrée en matière. Bonsoir messieurs, je suis le nouveau gérant, hein. Vous n'êtes pas au courant, je suis désolé.
Mais ça va pas pouvoir se passer comme d'habitude. Voilà, il y a de nouvelles règles à prendre en compte. La première, il faut crever. C'est la première d'une longue liste, mais ça commence par mourir. Après, on voit. Messieurs, alignez-vous. Il y en aura pour tout le monde. Dommage. Eh ben non, ça passe quand même, voilà. Qu'est-ce qu'il va me lâcher, tiens? Il est pas mort. Il va me lâcher quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Une défense plus. Bah putain, je suis paré, moi. Voilà. Bon, on va faire le ménage, histoire de quand même... C'est honnête. Je vous jure que je redécouvre un nouveau jeu, là. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Alors, bon... Ce qu'il y a à voir, c'est que toujours que tu tabasses 150 000 personnes en faisant tout le temps les mêmes coups. Ça, bien sûr, ça n'a pas changé. Mais au moins, là, je leur fais des dégâts, si tu veux. Sérieux, il reste un, vous êtes dans le mal. Ah, c'est mes... Ça y est, je viens de capter, c'est mes gardes du corps. Vous étiez là, donc. Eh bah, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, putain, quel emmerdement. Alors, les flèches, c'est cool. Pourquoi on a accès à ce truc-là? Il y a quoi là-dessus? En tout cas, ça a l'air d'être un bateau. Les forces de Wang Zhong sont en danger. D'accord, d'accord. J'aimerais... Qu'est-ce que c'est, ce truc blanc-là? D'accord. Zhao Yun, ok. Carte. Ouais, on va venir aider les potes du milieu. Alors, par contre, j'aimerais ramasser un cheval au passage. Par contre, alors, va savoir où je les ai laissés. En plus, là, je descends, donc c'est pas bon. Parce que mes chevaux, je les ai laissés... bah, là-haut. On est d'accord que, oui, je prends la bonne route. Une route vide, avec personne, évidemment, et pas de cheval. Comme d'hab. Ah, mais non, mais n'avance pas, Zhao. Bon, bah, il va se mettre dans la merde, mais tant pis. J'arrive. Oula, il y a que du rouge. En effet, ils sont dans la merde. Et il pleut. Intervention divine. Ok, bon d'accord. Manu Chao, j'arrive. Je vais te sauver. Qui c'est? Taishi-si. Ok. Où es-tu? Monsieur Si. Ah, vous êtes là. Il est tombé. J'ai entendu. Non? Il était pas tombé. On va sauver Manu Chao. Mais d'abord, on va s'occuper du chef. Ah, il a moussouté, malheureusement. Il a bien claqué là-dessus. Bien joué. Et il s'échappe. Monsieur Si, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sérieux, là. Oh, il y a un autre gars qui est arrivé. Yala. Ok, bah il est venu récupérer ce qu'il devait prendre. Hein. Ah, je suis peut-être un peu seul là. Hein? Ouais, c'est les gardes qui viennent me casser les couilles, ça m'aurait étonné de toute manière. On va chercher plus loin, dès qu'il y a un mec qui vient de faire chier, c'est un garde. Le mode de la vie. Putain, wow. Voilà, faites place, s'il vous plaît. Oh là là, il récupère sa vie. En fait, voilà. Ouh, il y a un autre. Oula, cassez-vous. Voilà, je veux bien. Je veux bien faire un 2 contre 1, mais dans mes règles. Voilà, s'il vous plaît. Hein. Mais ça, quoi, New? Je me les prends à deux. Ils sont deux, je les marave. Allez, Taishi Si, c'est down. J'aurais aimé aller plus loin. Et malheureusement, tu es tombé sur beaucoup plus fort que toi. Guan Yu, le archipété, pardon, excusez. Je voulais juste ramasser ceci. Alors par contre, là, je suis un petit peu dans la... Ouais, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Donnez-moi ça. Cassez-vous. Voilà, s'il vous plaît. Oh merde, il y a encore une zone... Il y a des gens, là. Je vais me les faire. Venez. Faut pas être bien méchant. Je vais pas me donner de la vie par contre. Garde du corps à l'assaut. Un sergent, donne-moi de la vie. Voilà. J'aime quand un plan se déroule sans accroc.
Les privés qui font chier, c'est réglé. C'est bon, vous y êtes. Oh, vous avez pris un peu cher, les gardes du corps. Ils tiendront pas, eux. Ah, ils feront pas toute la route avec moi, malheureusement. Y a pas de vie de ce sergent-là, malheureusement, non plus. Ils sont en déroute, là. Ils font quoi? Dommage, ils méritaient. C'est pas grave. Récupère ça. On va remonter, aider Manu Chao. C'est ça qu'on était venu faire à la base. Si j'ai, bon, j'ai un peu, voilà, j'ai surestimé mes capacités. Je les ai pris à 2 contre 1. Et y a un autre gars qui est arrivé. Waouh. Ah non, c'est pas un autre gars, je suis con. C'est le deuxième. C'est le deuxième que j'ai pas fumé. C'est un garde, ça. Ça m'arrangerait. Ouais, il faudrait qu'il crève, genre dans l'immédiateté. Surtout avec lui que j'ai au cul. Cassez-vous. Voilà, cassez-vous. Moi, je veux juste que ce... Voilà, lui, là. Oh là là, qu'est-ce qui m'emmerde. Il en veut pas, hein. Son chef est mort avant lui. C'est quand même terrible. Tu vas me faire chier longtemps. Cette caméra, quoi. Paf, j'ai vu de la vie, non? Y a pas de la vie par terre? Dommage, ça. Putain, un autre gars. Oh là là, c'est la misère, ici. Gangling. Vas-y, répétez. Alors toi, Major, si tu voulais bien me fier de la vie... Que dalle, hein. Et avant qu'il me touche, parfait. Lâche ta vie, toi. Ouh là là, lâche-moi. Tu me colles un peu trop, là. Putain, j'arrive pas. Putain, j'arrive pas à me retourner, c'est fou. Ça dégage. Ouh, de la vie là-bas. Garde du corps est mort au combat. Bon, c'était inévitable. De toute manière, on s'est jeté dans la mêlée. Regarde ça, il y a que du rouge sur la carte. Allez, courage, les petits. Jusqu'au bout, hein. Tant que vous pouvez, on tape. Voilà, bon, je sais pas pourquoi j'attaque lui en prio. Je suis dans la merde, mais bon. C'est pas bien grave. Ça déblaye. Bon, eux, voilà. Je les sentais. Et ils m'ont quand même niqué. Cassez-vous. Oh putain. Je savais que c'était la merde. Vous savez que ce serait la merde. Barrez-vous. Enfin, sous la pluie, c'est classe, n'empêche. Il me faut un garde là, il me faut un garde. Putain, putain. Voilà, parfait. Oh, c'est un major. Par contre, j'aimerais voir ce qu'il y a devant moi. Oh là là, j'aimerais voir ce qu'il y a devant moi quand je tape. Oh putain, oui. Oh, c'est inespéré ça. Oh putain. Oh, je suis. J'ai le cul bordé de nouilles avec ce personnage. Oh, de la vie. Enfin, de l'énergie. Oh, bah t'es là toi. C'est toi que cherchais. Par contre, ouais, ça c'est pas cool. T'es où? Ben voilà, si je pouvais voir ce qu'il y a devant moi. Casse-couille, casse-couille. Voilà. Là, il est à moi. Putain, vous me faites chier. Vous me faites chier. C'est pas peu dire. Oh là là, vie max. Zéro race, ce personnage. Quoi, pardon? Réveille. C'est un garde, ça. Putain, que des majors. J'en ai rien à foutre des majors. À moins qu'ils me donnent de la vie, mais ça, j'y crois pas. Oh là là. Putain, on se plaint et on obtient des choses, hein. On obtient des choses. Viens là. Voilà. S'il te plaît. Oh là là. Il est où, machin? Vous l'avez pas tué, quand même. Manu Chao, tu fais quoi? Bon, tu... Il est où, machin? Carte. Il a fait complètement demi-tour. Alors, c'est demi-tour. Par là-bas. C'est ça? Je crois que c'est ça, hein. Ouais, il y a le point blanc, c'est lui. Alors comme ça, on recule. On va chercher un cheval. Pff. Si
si tu crois que tu seras mieux avec tes troupes, laisse tomber. Hein. Non, je préfère te le dire tout de suite, quoi, que t'aies pas de faux espoirs, ça va, ça marchera pas mieux. Allez! Ce coup est magique. Ce coup est magique. Je fais tout avec ça, et franchement, j'ai pas à me plaindre. Le service après-vente n'a pas beaucoup de mes appels, et bonne nuit à toi. Combien de kills j'ai fait dans cet épisode? Sérieusement. Comparé les 7 épisodes de Guan Yu, là, de Zhu Yu, je veux dire, face à 3-4 épisodes de Guan Yu, c'est un massacre. Tu vas où? Ah, mais ils sont emmerdants! Ils sont emmerdants là! Ils sont en déroute, ils savent pas où aller! Putain, laissez-moi faire le ménage! Bon, remarque, faire le ménage est pas très utile dans le sens où. Pour gagner à la fin, vous savez, le classement là, ce qui compte, c'est pas le nombre de kills, c'est le nombre de personnalités que t'as tuées. Et en effet, faire un massacre de privé, ça a jamais servi à grand chose. Par contre, on m'a volé le cheval là. C'est ça. Le cheval qui était là, on me l'a chouré. Ça fait plaisir ça. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? T'en es toujours pas sorti, Manu Chao? Putain. Ah ouais, il est sur le point de mourir. Bon, je t'aide, mais c'est la dernière fois. Hein. Ça y est? Putain, Manu Chao s'en est sorti. C'est incroyable. Est-ce qu'on a la. Allez! Dans le niveau de Zhu Yu, je les cherchais, les sauvegardes, tellement il n'y en avait pas. Et là, on me sert quand même, je suis viscère.